1A. Calculer les distances D1, D2 et D3. D1, c'est combien? Ils disent que DN, c'est la distance parcourue durant le énième jour. D1, c'est la distance parcourue le premier jour, c'est-à-dire 50 km. Bien. D2. Chaque jour, la fatigue s'accumule et donc sa performance diminue de 1% tous les jours. Donc de 1%. 1 moins 1%. 2, 50. Qui est égal, bien sûr, 0,99 fois 50. D3. D3 rebelote. 0,99 de ça fois 0,99 fois 50 égale 0,99 au carré fois 50. Bien, petit b, donnez l'expression de dn plus 1 en fonction de dn. Mais dn plus 1 est égal à dn fois 0,99. C'est la généralisation des étapes qu'on voit devant. En déduire la nature de la suite dn. Mais la suite dn, bien sûr, à cause de cette définition, elle est géométrique. Dn géométrique. Quelle est sa raison? Vous avez trouvé. La raison, c'est rien d'autre que 0,99. Bien. Alors, dn égale qui? La définition égale d1 fois la raison puissance n moins 1. Donc, chez nous, c'est 50 fois 0,99 puissance n moins 1. Voilà. Le 2. Calculer en fonction de n le nombre total ln de kilomètres parcouru au bout de n jours, c'est-à-dire de 1 plus de 2 plus etc. plus de n. C'est égal à qui? C'est la somme des premiers n termes d'une suite géométrique. Ça veut dire le premier terme qui est 50 fois 1 moins la raison puissance n moins 1 sur 1 moins la raison. Évidemment, on va faire ce calcul parce que les puissances, on les laisse de côté. ln égale 50 sur, ça donne 0,01, fois 1 moins 0,99 puissance n moins 1. Ce qui donne, attention, 50 divisé par 0,01, c'est 50 fois 100, ce qui fait 5000. 5000 fois 1 moins 0,99 puissance n moins 1. Évidemment, le 3, la question 3, qui demande est-ce que ce ln est plus petit que 5000? Bien sûr que plus petit que 5000. Regardez, si je développe, 5000 fois 1 moins 5000 fois 0,99 puissance n moins 1. Et cette affaire-là, avec le moins devant, cette affaire, c'est le nombre négatif, c'est évident. Donc, c'est plus, le résultat est plus petit que 5000. Pour tout n nombre naturel supérieur à 0. Et voilà les premiers trois points. Donc, j'introduis la fonction f de x égale 5000 fois parenthèse 1 moins 0,99 puissance x. Je vais dans table et constater que pour x égale 847, le résultat c'est 4998,99. Et si je vais au suivant, ça dépasse 4999 km pour x égale 848. Conclusion, il lui faut 848 jours, 2 ans et plus que 2 ans, pour arriver à avoir parcouru 4999 km. C'est clair que les 5000 km ne les parcourra jamais. Donc le pari perdu. Le globe-trotteur Ulysse veut parcourir 1 km.
Le premier jour, il parcourt B km. Ensuite, chaque jour, se fatiguant, il parcourt P% de moins que le jour précédent. Trouvez une relation entre A, B et P afin que notre Ulysse n'arrive jamais, jamais de jamais, au bout de son voyage. Reprenons le calcul de tout à l'heure. Ln, la somme des premiers n jours, la somme des distances des premiers n jours, B, c'est-à-dire le premier jour, plus 1 moins P sur 100 fois B, plus etc. au carré, etc. puissance n moins 1 fois B, qui est égal à la somme des premières n termes d'une suite géométrique, premier terme B fois 1 moins la raison, puissance n, sur 1 moins la raison. Le calcul se fait ici. 1 moins 1 plus P sur 100, ça donne P sur 100. B sur P sur 100, fois 1 moins 1 moins P sur 100, puissance n. Ce qui donne, en distribuant, 100B sur P moins 100B sur P, facteur de 1 moins P sur 100, puissance n. Évidemment, le même raisonnement de tout à l'heure, ce nombre avec le moins étant négatif, toute cette expression est plus petite que 100b sur p. Et si je veux que Ulysse n'arrive jamais, cette somme doit être inférieure ou égale à a, c'est-à-dire le nombre de kilomètres qu'il veut parcourir. Cette relation que je viens de découvrir, elle est nécessaire et suffisante pour que Ulysse n'arrive jamais. Autrement dit, 100b inférieur ou égal à AP. Voilà la relation nécessaire et suffisante avec les données générales A, B et P. Vérifions dans le cas d'Ulysse, qu'est-ce qui s'est passé? Ulysse A, nombre de kilomètres à parcourir, 101. B, le pourcentage était 10, 10%. Vérifions la relation. 100B inférieur ou égal à AP, ça fait 1010. Donc B inférieur ou égal à 1010 divisé par 100, 10,1. Et bien sûr, c'est cohérent avec l'énoncé, parce que dans l'énoncé, premier jour, Ulysse parcourt 10 km. Pour le globe-trotteur moderne de nos jours, A égale 5000, ça change, hein, 5000 par rapport à 101. P, le pourcentage, c'est juste 1. 1%. Vérifions la relation. 100B inférieur ou égal à AP, ça fait 5000. Autrement dit, B inférieur ou égal 5000 divisé par 100, 50. Ce qui est de nouveau cohérent avec l'énoncé dans lequel, premier jour, le globe-trotteur parcourt exactement 50 km. Voilà. Ces deux problèmes sont et la généralisation. C'est une illustration de ce qui vous attend en terminale à propos de la convergence. Convergence vers une limite qu'on n'attend parfois jamais. On peut s'approcher, mais jamais l'atteindre. Pardon, jamais l'atteindre. Comme exemple très banal de cette convergence sans jamais l'atteindre. Et comme tout le monde connaît ce que c'est une pizza, tiens, je vais penser au rêve d'un mec qui veut manger une pizza éternellement. Alors il mange la moitié le premier jour, le deuxième jour, la moitié de la moitié, un quart, plus le jour suivant, la moitié de la moitié, un huitième qui reste, etc. Chaque jour, il mange la moitié de ce qui reste. Autrement dit, chaque jour, il réduit de 50%. Évidemment, il voilà, passera toute sa vie et une éternité en arrivant au nanomètre de cette pizza et plus loin encore, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin de toutes les mini-dimensions de la physique pour manger sa pizza. C'est comme ça. Voilà un aspect de la poésie des maths.